je fais mon café avec ça maintenant. C'est ma mère qui me l'avait donné parce qu'elle en avait, un chez elle dont elle ne se servait pas. Et en fait, c'est une machine à café à piston. Je crois que ça s'appelle comme ça. Et en fait, avant, moi, j'avais une Dolce Gusto. Ce sont les capsules comme ça. Est-ce que vous avez vu tout le plastique qu'il y a dans une capsule? Genre, vraiment, c'est scandaleux. Du coup, j'avais arrêté d'utiliser. Bon, il me reste encore quelques capsules. Je ne vais clairement pas les jeter. C'est un peu plus long que quand on fait son café avec une machine à café classique, mais je trouve ça très relaxant. Genre, je sais pas, le matin et tout, tu prends ton temps. Alors, j'ai acheté ce lait, voilà, je le vois un peu partout. C'est une nouveauté, je crois, de chez Alpro. Et c'est un lait végétal, mais apparemment, il est crémeux parce que c'est vrai que le point négatif, on va dire, avec les laits végétaux, genre type lait d'amande, lait de soja, épeautre et tout, c'est que en effet ils sont pas très crémeux, donc pour faire des cafés et tout c'est pas le top. Forcément si vous prenez du lait végétal pour manger vos céréales, vous n'avez pas besoin d'un lait crémeux je pense, mais pour faire des matcha et tout, c'est vrai que c'est quand même mieux. Et donc mais du coup c'est à quoi, parce que ça m'étonne un peu. Ah, c'est à base d'avoine, bah très bien, c'est mon lait préféré. Donc écoutez, on va secouer ça. J'en ai pris ce matin dans mes flocons d'avoine, mais j'avoue que j'ai pas trop vu la diff. Hop. Ah oui, c'est vrai qu'il est beaucoup plus épais. Genre, je sais pas si on s'en rend compte. Non, mais dis ça, on voit rien. Mais il est beaucoup plus épais, donc ça déjà, c'est cool. Bon, j'avoue, je mets plus de lait que de café. Voilà. C'est la petite astuce de Mélissa. Franchement, c'est grave bon. Et le lait Alpro, je le valide très très fort. Il est très bon. Bref, voilà. Oh, la boulette. Ça fait un moment que je n'ai pas vlogué. En vérité, je n'ai pas une raison qui a fait que j'ai pas fait de vidéo ces 3 derniers mois, mais c'est plein de petites choses qui ont fait que je n'ai pas filmé. En fait, déjà, je pense que la principale cause, on va dire, c'est le temps. En gros, pour vous recontextualiser la chose, je fais mon alternance chez Monoprix depuis un an, là c'est ma deuxième année, et donc moi mon poste c'est assistante chef de produit. Donc j'assiste entre guillemets une autre chef de produit. Sauf que depuis fin avril, je n'ai plus cette chef de produit là, vu que ma manager a quitté la société. J'étais très très triste parce que ça se passait trop bien. Mais c'est surtout qu'en fait là on est en septembre et à l'heure où je vous parle, je n'ai toujours pas de manager. Donc en fait depuis mai, juin, juillet, août, septembre, 5 mois, à peu près 4-5 mois, je suis seule. Donc je ne suis pas assistante chef de produit. Je suis ma propre assistante. Voilà. L'énorme point positif, c'est que c'est très formateur et que je vais pouvoir le valoriser plus tard quand je rechercherai un job et tout. Mais c'est que bah, ça m'a demandé énormément de temps et d'énergie et un petit peu d'angoisse, je vais pas vous mentir. Parce qu'en fait, très clairement, je vais quitter mon appart à 8h et je rentrais chez moi à 20h. Donc voilà. Et ajouté à ça, les cours. Ça, j'avais quand même envie d'avoir un minimum de vie sociale. À un moment donné où je me suis dit, Mélissa, tu pourras pas tout faire. Ou alors, si tu peux tout faire, mais tu vas péter un câble. Donc c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter, entre guillemets, de faire une pause de vidéos sur YouTube. Même si on va pas se mentir, de base, je ne suis pas non plus la plus active. Et YouTube, genre vraiment, c'est mon... Je sais pas comment expliquer, c'est mon petit bébé, genre je me sens trop bien et ça me permet de m'épanouir personnellement. Et du coup j'avais pas du tout envie de me forcer à faire des vidéos juste pour faire des vidéos. Même si en soi je savais que j'allais pas me forcer, mais juste j'avais pas le temps et j'avais pas envie de faire un truc pas du tout quali. Ou alors de pas passer de temps sur les montages, parce que je passe énormément de temps sur les montages. Et du coup bah, je me suis dit mais ça sert à rien. Et alors moi je suis une personne, soit je donne tout, soit je donne rien. Et du coup bah clairement là je n'ai rien donné. Voilà. Mais voilà. J'espère que vous m'avez pas oublié. Pour vous faire un petit update, bah je reste chez Monoprix, c'est ma deuxième année. Et les gars, c'est ma dernière année d'études. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point je suis heureuse de vous dire ça. Genre c'est ma dernière année. Voilà. Du coup, on va rester motivés.
Et j'ai trop hâte. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel genre de vidéo vous aimeriez voir sur ma chaîne. Si j'ai l'impression que ce que vous préférez, ce sont les vlogs. Genre, mais moi j'adore, hein. Enfin, moi perso, vous mettez une caméra, je pourrais raconter ma vie pendant 10 ans. Mais voilà, parfois j'essaye un petit peu plus de mêler les vlogs et le contenu food parce que bah, j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis sur ça. Mais je suis trop contente de vous retrouver. Vraiment, je vous accueille en pyjama. Vous savez, je ne me prends pas la tête. Les vlogs, c'est ça, ne pas se prendre la tête. C'est hyper rare que je fasse un maquillage aussi chargé, d'ailleurs ça faisait un moment. Et sur mes lèvres, je mets ça. Ceux qui ont regardé les vlogs de Londres, vous savez. Mais il est trop bien, c'est un baume à lèvres de chez La Neige. Il est incroyable, je trouve qu'il fait des lèvres un peu glossy. Enfin bref, j'adore. Et du coup, pour ma tenue, j'ai mis un jean de chez Another Stories et un pull aussi de chez Another Stories. C'est des anciennes collections. Mais j'adore ce petit pull, il est trop mignon. Genre ça rapporte un petit peu de couleur. J'y vais parce que du coup, je dois rejoindre Chloé et je suis un petit peu en retard. Oupsie. Got a couple cracks on it, oh well. Big boy on the retina, people showing tales. Something spicy in my drink, do my... Il y a des numéros quand vous commandez. Et quelqu'un a pris sa bouffe. Et sauf qu'elle avait croqué dedans, donc... Personne ne sait qu'on ne prend pas ma bouffe. Mais je l'ai entendu en plus dire... un truc comme ça. Oui, elle a dit, bah, il y avait personne. Oui, j'ai entendu qu'elle était avec du... Enfin, qu'elle parlait avec du dédain, genre. Et son mec, il a pas dit c'est tout le temps comme ça ou... Non, il a dit, elle est malade. Mais il dit ça en mode humour, tu sais. Ah. Regardez. Ça a l'air trop bon. Non, mais en fait, c'est parce que son vent, ouais, genre, tu sais, ça m'a trop écœuré. Tu veux goûter? People showing tales, something spicy in my drink. Do my dance like Channing Tatum with a western usher. Make a boy act dumb. She knows she hot, she knows she pretty. She's self-aware, esteem is all dizzy. I feel petty, I feel gross, I feel messy. Oh my god, oh no no. Okay, I just be frontin', it's all a test. Je viens de rentrer, du coup c'était trop cool, mais il est déjà 20h30, c'est passé beaucoup beaucoup trop vite. Et du coup j'ai acheté que deux choses parce qu'on a fait un petit peu les magasins, je me suis raisonnée parce que j'essaye de ne plus acheter, enfin c'est même pas j'essaye, je n'achète plus de manière compulsive. J'ai juste acheté des choses dont j'avais besoin, enfin besoin, tout est relatif, dont j'avais vraiment vraiment envie. J'ai acheté le contour pour les yeux, donc une crème pour le contour des yeux plutôt, de chez Kiehl's. J'en ai entendu que du bien, genre, je pense que ça fait franchement 3-4 ans que j'ai envie de l'acheter, mais il coûte super cher. Sauf que j'ai eu 24 ans et oh non, mais là je le vois, je commence à avoir un petit peu des ridules et tout, genre pas des rides, mais je sais pas, et je suis là, oulalalala. Mais ça, il est temps de mettre de la crème pour les yeux. Du coup, c'est chose faite et je sais que celle-ci elle est très 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 bien parce qu'il n'y a que des bons retours. Et ensuite des élastiques comme ça, transparents, genre vraiment classiques. J'en avais pas et à chaque fois j'ai trop envie de me faire des petites coiffures. Sauf que ben voilà, il manquait ça. Et voilà, voilou. Du coup, je pense que je vais vous laisser ici pour la première partie du vlog et je vous retrouverai demain parce que là je vais juste prendre ma douche, manger. Bisous. Le travail que j'avais.
Moi je suis ravi de voir le lieu que j'avais. Tu vas pas aimer, je crois. Oh non! Pas trop parlé je crois aujourd'hui, mais du coup ce matin j'ai un peu traîné au lit, on va pas se mentir, voilà, c'est dimanche, c'est ok, et j'ai fait mon sport et tout, et ensuite j'ai rejoint Orlane, voilà, elle est sur Paris, c'est trop cool, franchement le destin il fait bien les choses des fois, qui l'eût cru qu'on allait se retrouver toutes les deux en même temps à Paris, franchement c'était inespéré, donc voilà, on allait se balader à la Villette, donc c'est trop sympa là-bas. Du coup ouais, on s'est baladé, il y avait des petites activités à faire, on a même pris des photos, je sais pas où elles sont, mais on a pris des photos et on a pu les imprimer style un peu photomaton. Voilà, c'était sympathique. Et ensuite, on allait se boire un petit matcha. Voilà, on a papoté. J'ai fait de la réflexion que ça faisait déjà 3 ans qu'on se connaissait. Et donc, 3 ans qu'on était partis aux États-Unis. Et donc, 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube. Je me dis, waouh, c'est fou comme le temps passe vite. Mais un point positif, c'est qu'on n'a presque pas parlé des États-Unis. Alors qu'avant, on en parlait tout le temps. Mais moi, dans mes vlogs et tout, je m'en souviens que c'était systématique. Genre, un vlog est égal. Je parle des États-Unis, mais comme quoi, le temps fait bien les choses et que on peut passer à autre chose, voilà. Même si ça a été un an et demi compliqué, voilà, je suis vaccinée, enfin non, pas ce mot-là, je suis guérie, voilà, je suis plus nostalgique. Bref, je vais clôturer du coup le vlog maintenant, j'espère qu'il vous aura plu. Moi franchement, je suis trop contente. Là, ça m'a remotivée, genre vraiment, à chaque fois que je fais des vlogs et tout, j'aime trop après les monter, voir vos retours. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire les vidéo que vous aimeriez voir sur ma chaîne, je prendrai note de tout ça, et puis bah, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlog.